Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est le grand jour de la dégustation de quelques-uns des vins du mois. Alors on va commencer par, voilà, prenez bien votre petit livret de dégustation, à la page du domaine de l'Arpentier qui est un des deux vins de la box Taste Vin du mois de janvier 2022. Alors voilà la bouteille, très jolie bouteille, on part à Chinon. Dans la vallée de la Loire. Alors, à Chinon, il y a quelques familles assez connues, dont la famille Desbourdes, qui a plusieurs branches. On en connaît déjà une autre qu'on aime beaucoup, au domaine de la Marinière, par exemple. Mais là, on arrive chez Émilien et ses parents, Francis et Françoise, pardon, qui sont à la tête d'un très très beau domaine. Émilien, en arrivant au domaine familial, a persuadé ses parents à convertir le vignoble en agriculture biologique. Et là, au fur et à mesure des années de conversion, le vignoble s'est entièrement transformé pour aujourd'hui produire des raisins qui ont une belle maturité. On ne retrouve plus du tout ce côté parfois végétal qu'on a dans certains vins de Loire. Là, l'idée, c'est vraiment de pousser la maturité en faisant en sorte que les cèpes de vigne soient heureux à l'endroit où ils poussent et où ils arrivent à s'épanouir et à produire des raisins bien mûrs. Et ça, c'est tout un travail de mise en place qui a été instauré déjà depuis plusieurs années. Et voilà, j'ai suivi l'évolution et c'est seulement là, sur ce millésime 2020, que j'ai craqué pour vous faire... pour vous montrer un peu le travail et ça c'est une de leurs cuvées, mais voilà, peut-être qu'un jour on découvrira les autres par l'intermédiaire des abonnements, mais en tout cas cette première cuvée qui s'appelle l'Arpentier est vraiment représentative de ce qu'un Chinon doit être, c'est-à-dire un concentré de gourmandise, de croquant, de juteux, et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, on va découper la dégustation en plusieurs morceaux. On va commencer par l'œil. C'est un vin rouge avec une très bonne intensité. Vous voyez, c'est limite. Si on voit ses doigts à travers, donc c'est un vin très opaque, on peut s'attendre à avoir de la concentration. C'est un indice. Maintenant, au nez. Alors, comme d'habitude, on met son nez dans le verre pour avoir cette première impression qui va donner envie de continuer. Et là, effectivement, on n'est pas déçu, ça sent vraiment le fruit très mûr et on est tout de suite emmené dans une sorte de bonne confiture gelée de groseille, de fruits rouges bien marqués. Il n'y a pas de bois, c'est pas du tout boisé, c'est pas un vin qui a été élevé en fût de chêne, donc on a tout de suite juste une grande bouffée de fruits frais qui se confirme en aérant comme ça. Dès qu'on tourne le vin dans le verre, les arômes sont démultipliés et tout de suite on a une deuxième bouffée de confirmation de ces fruits très mûrs. Maintenant, on va le déguster. Pour déguster, vous vous souvenez, ceux qui ont déjà suivi les précédentes vidéos, c'est toujours en deux étapes. Alors, tout d'abord, je peux recommencer? Bien sûr. Oui, oui. Si c'est découpé. Ok. Alors maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, vous vous souvenez, on prend une bonne gorgée, on ajoute des petits filets d'air successifs pour oxygéner le vin en bouche. C'est comme ça qu'on a vraiment tout le tableau au complet avant d'avaler ou de cracher et puis d'attendre pour que on puisse évaluer la longueur en bouche. Alors, je vous montre, on y va. Et là, pour ceux qui ont un peu l'habitude de déguster, on se retrouve immédiatement dans les grands vins rouges de la vallée de la Loire. Parce qu'on a cette impression de fraîcheur intense. Le Cabernet Franc, qui est le cépage majoritaire à Chinon, vous voyez, ça me fait encore... Je sens que la salivation continue. Ça, c'est vraiment l'acidité, la fraîcheur qui permet cette longueur en bouche
qui est vraiment, vraiment très intéressante. Alors voilà, on a le fruit qui croque, la gourmandise, et c'est exactement ce qu'on attend d'un chignon, avec cette impression de croquer dans du fruit frais. Alors, avec un joli chignon comme ça, c'est vraiment une invitation à la gourmandise. Et la gourmandise, ça passe souvent par des plats assez simples, que ce soit en apéritif, des terrines, même de la tapenade, le côté olive noire, ça va très très bien avec le cabernet franc. Et ensuite, le soir où vous avez un peu la flemme, ou l'idée c'est de commander une super bonne pizza ou de se la faire soi-même, voilà, ça va être le vin qui ira bien avec une base de tomates, hein, avec cette même acidité. Mais pareil, une bonne bolognaise maison, voilà, c'est vraiment le vin qui va bien avec la gourmandise, les repas gourmands, les trucs de copains. On ne se casse pas forcément trop la tête à faire des heures en cuisine, mais voilà, on se fait plaisir, et voilà, c'est un vin qui va très bien avec la discussion, avec les copains et la famille.